إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هادي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الإخوة الأحباب أيتها الأخوات الكريمات إن نبيكم صلى الله عليه وسلم أشار إلى القمر فانشق القمر إكراما لإشارته يقول الله سبحانه وتعالى في سورة القمر بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زيد اقتربت الساعة وانشق القمر Votre prophète عليه الصلاة والسلام chers frères, chers sœurs il a juste fait signe à la lune et la lune elle s'est fondue en deux Allah il nous dit dans سورة القمر dans le chapitre la lune du Coran l'heure elle s'approche et la lune s'est fondue en deux إن نبيكم صلى الله عليه وسلم صعد الجبل مع أصحابه فارتجف الجبل فرحا بزيارته قال أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان Votre prophète عليه الصلاة والسلام chers frères, chers sœurs il a juste visité le mont de Uhud il a visité la montagne et c'est toute la montagne qui s'est mise à trembler par joie, par bonheur de sa rencontre, alayhi salatu wassalam. Il lui a dit, ressaisis-toi, Uhud, il y a sur toi un prophète, Rasoul alayhi salatu wassalam, un véridique et deux martyrs. Le véridique, c'est qui? Abu Bakr, radiyallahu anhu. Et les martyrs, les deux? Omar ibn al-Khattab et Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu. إن نبيكم صلى الله عليه وسلم ترك الجذع. Prophète عليه الصلاة والسلام كان يخطب على جذع نخلة. Prophète عليه الصلاة والسلام avant d'avoir le minbar, il faisait ses prêches sur quoi? Sur le tronc d'un arbre, sur le tronc d'un palmier. Et lorsqu'on lui a amené le minbar, il a délaissé le tronc de palmier. Et lorsque le tronc de palmier a vu la scène, c'est un récit prophétique du prophète alayhi salatu wassalam. Lorsque le tronc de palmier il a vu la scène, comment est-ce qu'il réagit? Le tronc d'arbre il a pleuré, le tronc de palmier il a pleuré. Shawqan lahu wa huznan ala firaqihi wa firaq kalimatihi. Par tristesse de l'absence du prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète lui manquait. Les paroles du prophète alayhi salatu wassalam lui manquaient. Au tronc de palmier, subhanallah. On fait le bilan. Qamarun yanshaq. Wa jabalun yartajif. Wa jid'un yabki wa yahin. Iza kana hadha halu qamarin. Wa halu jabalin. Wa halu jid'. Fama balu qulubina nahnu. La tartajif. ولا تنشق ولا تحين مع أننا من أمته عليه الصلاة والسلام. Pourquoi nos cœurs à nous ils réagissent pas de la même manière alors qu'on fait partie de sa communauté عليه الصلاة والسلام.
Pourquoi notre cœur à nous, il ne se fend pas à l'évocation du prophète alayhi salatu wasalam ou de la religion d'Allah? Pourquoi notre cœur à nous, il ne tremble pas lorsqu'on évoque l'islam, lorsqu'on évoque les récits du prophète alayhi salatu wasalam? Pourquoi est-ce que notre cœur à nous, il ne pleure pas comme l'ont fait la lune, comme l'a fait la montagne et comme l'a fait le tronc de palmier? Pourtant, on est de sa communauté. Ah ouais. Nos cœurs, ils réagissent pas. Pourtant, c'est possible. On a l'exemple. Une histoire que j'ai racontée, on était beaucoup moins nombreux, une histoire que j'ai rencontrée lors de la conférence que j'ai eu l'honneur d'officier ici à Masjid al-Iman. L'histoire de Sayyidina Shu'aib alayhi salam, Nabi min Anbiya illah. Sayyidina Shu'aib alayhi salam, baka. Le prophète Shu'aib alayhi salam, il a pleuré. Hatta faqada basara. Tellement il a pleuré, il est devenu aveugle. Est-ce que vous avez remarqué parfois? Voilà, des vraies larmes, pas les larmes de crocodile, j'ai raté mon bus, ou là. Non, des vraies larmes. Est-ce que vous avez remarqué quand vous avez de chaudes larmes, Inch'Allah, Masjid Iman, en plus, il y a beaucoup de gens, on l'a vu pendant Ramadan, qui pleurent à l'évocation d'Allah, Allahumma barik, Allah vous protège. Eh bien, lorsque tu pleures, tu as une sensation de ne plus bien voir. Eh bien, le prophète Shu'aib alayhi salam, tellement il a pleuré, il est devenu aveugle. فَرَدَّ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَيْهِ بَصَرَهِ. Et Allah, bien sûr, par miséricorde, il lui a rendu la vue. فَأَوْحَ إِلَيْهِ. Et il lui a insufflé quelque chose. Alors, les prophètes, ils avaient une connexion directe avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ils recevaient la révélation. Lorsqu'ils rêvaient, c'était un rêve véridique, etc., etc. Qu'est-ce qu'Allah a insufflé à Sayyidina Shu'aib? Il lui a parlé. Écoutez bien la miséricorde d'Allah envers son serviteur. Allahu Akbar. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit à Sayyidina Shu'aib, « Ya Shu'aib, in kunta tabki khawfan minan nar, faqad aji'naka minha. » Il lui a dit, « Ya Shu'aib, si tu pleures par crainte d'aller en enfer, sache qu'on t'a épargné du feu de l'enfer. Wa in kunta tabki shawqan ila al-jannah, faqad wajabat ilayk. » Et si tu pleures par envie, par désir ardent, par volonté d'aller au paradis, sache que le paradis, il est promis pour toi. Allahu Akbar. T'imagines mon frère, ma sœur, Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, qui te dit, ni le feu de l'enfer va te toucher, et en plus tu vas aller au paradis. Personnellement, j'arrête de pleurer. Je commence à sourire. Oulala, c'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. Regardez la réponse de Sayyidina Shu'aib. Il répond à Allah. Voilà les cœurs sincères. Il a dit, Rabbi, s'adresse à son Seigneur. Wallahi ma bakaytu la li hadha wa la li hadha. Il a dit à Allah, wallahi, je ne pleure ni pour le feu de l'enfer, ni par envie d'aller au paradis. Tiens, il pleure pourquoi alors? Écoute la suite. Walakinni abki shawqan ilayk. Il a dit à Allah, je pleure ni pour le feu de l'enfer, ni pour aller au paradis. Je pleure parce que j'ai envie de te voir. C'est ça le véritable amour. Un amour sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala. Un amour sans intérêt. Qu'est-ce qu'il répond Allah? La dawa'a li hadha ad-da'i illa al-buka. Si tu pleures parce que tu as envie de me voir, mon serviteur, il n'y a pas de remède pour ça si ce n'est que les larmes. La rencontre avec Allah tabaraka wa ta'ala, ce n'est pas dans ce bas monde. Mais pour ceux qui ont un cœur sincère, qui aiment Allah fermement, comme l'était Sayyidina Shu'aib alayhi salam, la rencontre avec Allah, c'est où? Fil Jannah. On a tous rendez-vous là-bas. Et j'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous réunir. Comme on est réunis aujourd'hui en groupe dans Masjid al-Iman, qu'on soit réunis tous ensemble dans l'un des jardins du paradis. Qulu amin. Il n'y a pas un qui va aller sans nous. Inch'Allah, on rentre ensemble. Inch'Allah ta'ala. Mais regardez la différence des cœurs. Entre nous et les prophètes. Pourtant, ce sont nos modèles. On ne se dit pas, que personne ne se dise « Ah, c'est les prophètes, c'est normal, c'est particulier. » Non, les prophètes, ce sont nos modèles. On se doit de les suivre, de suivre l'amour qu'ils avaient pour Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez la différence. « قُلُوبٌ تَعَلَّقَتْ بِسِدْرَةِ الْمُنْتَهَى » d'un côté, « وَقُلُوبٌ تَعَلَّقَتْ بِالتُرَابِ وَالْخَلَى » Elle est où notre excuse? Parfois, on trouve
Notre cœur, pourquoi est-ce qu'il ne vibre pas? Il est trop attaché à ce bas monde, il est trop attaché à Dunya. On trouve parfois des frères et sœurs de sang qui ne se parlent plus pour un terrain au bled. Pour un morceau de terre, pour un morceau de Dunya, ils se font la guerre et ils ne se parlent plus. Parfois même, wal'iyadu billah, leurs parents, Allah ismahlam l'walidin. Parfois leurs parents, ils ne sont même pas enterrés, qui sont déjà en train de faire leur plan. Alors moi, je vais prendre la maison de Bijaya ou la de Nador, toi ce sera la maison de Oujda ou la de Dakar, moi c'est celle dans le sud. Yes, il dit, ton père il est même pas encore, Munkar et Nakir, ils l'ont même pas encore interrogé, donc toi tu fais tes plans, tu vas où? Tu vas te disputer et faire parfois même des faux témoignages pour avoir un bout de terre, pour gagner un confort dans ce bas monde. Mais ce confort dans ce bas monde, dit Abdullah, ça sera un inconfort pour toi dans le monde éternel. Quel triste calcul. Un calcul, un bilan comptable. Il y a des comptables ici. Il est nul. Il est triste ce bilan comptable. Tu troques quelques instants de plaisir pour un regret éternel dans ta demeure de l'au-delà. Le calcul, il n'est pas bon. C'est pas correct. À titre d'exemple, c'est comme si aujourd'hui, j'ai entendu un professeur avec son élève donner cet exemple. Un élève dit à son professeur, « Yafoulen, on fait l'exemple ici à Masjid Iman, maintenant. Si je vous dis, moi aujourd'hui, je suis en voyage à Paris et je vais prendre une chambre d'hôtel pour 2 jours. Normal, je ne vais pas dormir dehors. Et puis ensuite, une fois que j'ai ma chambre d'hôtel, je vous dis, ben, je vais aller dans un magasin de meubles, Ikea ou la Librito. Et puis je vais acheter un nouveau lit, un grand lit, un king size. Et je vais acheter une nouvelle télé pour la mettre dans la chambre d'hôtel. Et une nouvelle baignoire. Et une nouvelle. Et je vais appeler un décorateur d'intérieur. Je vais refaire les murs, la tapisserie, l'agencement de la chambre, etc. Vous allez me dire, il y a un problème. Pourquoi est-ce que tu fais tout ça lorsque tu vas rester que 2 nuits? Ça sert à rien. Eh bien, c'est exactement la même chose avec ce bas monde et l'au-delà. On est en train de meubler uniquement ce bas monde, alors qu'on ne va même pas y rester 2 jours par rapport au vrai monde, celui de l'éternel. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le meubler, ce bas monde. Bien sûr, meublez-le. L'un meuble et qu'on a besoin de personnes actives, de personnes qui pèsent financièrement parlant. Alhamdulillah. Mais pourquoi est-ce qu'on n'est pas aussi actif pour meubler notre vrai monde, celui de l'au-delà ? Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de meubler les deux mondes, ce bas monde et le vrai monde, celui de l'éternel. As'alallah subhanahu wa ta'ala an yaj'alna min alladhina yastami'una al-qawla yattabi'una ahsana wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Un exemple très simple. Je l'ai évoqué et je ne vous cache pas, c'est des élèves de la classe de terminale du lycée Averroès où j'ai l'opportunité, alhamdoulilah, d'être enseignant d'éthique, qui m'ont donné cette idée. Il y a moins d'une heure, ce n'était pas du tout prévu. Un exemple qui marche avec tout le monde. D'ailleurs, cet exemple-là, je l'ai entendu il y a peut-être 10 ans par un conférencier du Nord. Aujourd'hui, on va le ressortir et on implore Allah subhanahu wa ta'ala qu'il récompense ce frère pour son exemple. Ceux qui ont fait un peu de physique chimie, ils savent ce que c'est que le voltmètre. Le voltmètre, ça mesure quoi? Les volts. L'ampèremètre, ça mesure les ampères. Eh bien, ce frère, là, il nous a inventé l'hyménomètre. L'hyménomètre, il calcule quoi? L'hymen, ta foi. Et l'exemple, c'est quoi? C'est que chaque jour, tu veux faire le bilan avec ta foi, mon frère, ma soeur, concentre-toi avec moi. Tu veux voir où t'en es dans ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala? C'est très simple. Si maintenant, aujourd'hui, dans un contexte halal, bien sûr, tu sors de chez toi, et à chaque fois que tu sors de chez toi,
avec les élèves, je faisais un exemple plus bas, vous, je vais monter un peu, je suis un niveau. À chaque fois que tu sors de chez toi, chaque pas que tu vas faire, tu trouves 10 euros. Et ça, c'est halal pour toi. Il n'y a pas de propriétaire, c'est quelque chose qui est que à toi. La plupart d'entre nous, on les ramasse. Et si chaque pas que tu fais, tu trouves 10 euros, alors, regarde, il y a un tilmid, à Oustad, je vais marcher jusqu'en Belgique. 10 euros chaque fois, Oustad, j'avais dit 1 euro, les terminales 1 euro, et je sais où il y a un bonbon là. Il m'a dit, je vais marcher jusqu'en Belgique. Je comprends, c'est vrai. Il me dit, il faudra me pardonner, je ne viendrai pas au cours d'éthique. Je lui dis, m'attrape, je serai à côté de toi, on marche à Anouyak, on partage. Et c'est vrai. Si chaque pas qu'on fait en dehors de chez nous, on trouve un billet de 10 euros, on va marcher, 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 on va ramasser. Alhamdulillah, je sais que vous avez des cœurs purs, Allahumma barik. Vous allez sûrement faire des aumônes et investir financièrement pour les mosquées, etc. Mais le problème, c'est que cette opportunité, on ne l'a pas. On a une autre opportunité qui est meilleure et on la saisit pas. Cette opportunité, c'est quoi? Un plan en or. En or, mieux que l'or. Le prophète, alayhi salat wa salam, nous dit, celui qui prononce un subhanallah d'une belle manière, avec la langue certes, mais avec le cœur également, qu'est-ce qui se passe pour lui? Allah subhanahu wa ta'ala, il fait pousser pour lui un arbre dans le meilleur des mondes, celui de l'au-delà. Cet arbre, il fait quelle taille? Un tiers son diamètre, un tiers de la distance entre la terre et le soleil. Il pousse dans ton jardin au paradis. Combien d'entre nous pratiquent le dhikr? Chacun, il fait le bilan, il se pose la question. Combien de fois, en dehors de tes horaires de prière, tu dis subhanallah par jour? Combien de fois, en dehors de tes horaires de prière, tu dis alhamdulillah, la ilaha illallah, tu fais l'istighfar, astaghfirullah? Combien de fois? Combien de fois tu dis astaghfirullah? Il n'y a pas meilleur que le prophète alayhi salatu wassalam. Il n'y a pas plus adorateur. Il n'y a personne sur terre qui adorait plus Allah que le prophète alayhi salatu wassalam. Pourtant, il demandait pardon à Allah. Il faisait l'istighfar. Si lui, il le faisait, nous, on doit faire quoi? Eh bien, mon frère, ma sœur, à chaque fois que tu sors de chez toi, à chaque pas, tu as l'occasion de dire subhanallah. Est-ce que tu le fais? Bien souvent, c'est les écouteurs dans les oreilles. C'est le téléphone comme ça, tu traverses au feu rouge, tu te rends même pas compte jusqu'à ce qu'on te klaxonne. Là, c'est la tête au bled, là, aux vacances, là, etc. Là, tu penses aux enfants, etc. C'est bien, pense aux enfants. Tu veux que la situation de tes enfants s'améliore? Améliore ta situation avec Allah, il n'y a pas de secret. Tu veux que ta situation à toi, elle te paraît désespérée? Elle s'améliore? Regarde ta situation avec le créateur de cette situation. Comment elle est? Comment tu peux avoir un axe avec ta relation verticale avec Allah subhanahu wa ta'ala et espérer que tout se passe bien de manière horizontale avec les créatures d'Allah? Allez, je change l'exemple. Si chacun d'entre nous, je vous donne ma parole, ma garantie, qu'à chaque fois que vous dites subhanallah, vous avez tous une maison. De belles maisons, de belles demeures, alhamdulillah. À chaque fois que vous dites subhanallah, vous avez un nouveau canapé qui apparaît chez vous. Ou là, une nouvelle télé. Ou là, ce bien, ce nouveau téléphone, ou cette nouvelle chose, cette nouvelle voiture que vous attendez. Vous allez dire subhanallah toute la journée. Et vous allez voir les bienfaits apparaître dans votre salon. Pourtant, vous allez y rester un claquement de doigts par rapport au monde de l'éternel. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de pratiquer un dhikr sincère et journalier pour lui, subhanahu. Parce que le dhikr, et je finis sur ça, il peut changer nos vies. Je finis avec une histoire. L'histoire d'un savant que tout le monde connaît, l'imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, l'un des quatre grands imams. L'imam Ahmad ibn Hanbal, il était très connu. Même à son époque, rahimahullah, les gens connaissaient l'imam Ahmed,
mais ne connaissaient pas son visage. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas le groupe Facebook de la mosquée, il n'y avait pas Snapchat, il n'y avait pas tous ces réseaux sociaux. On entendait parler de lui, il était très connu, très respecté, mais visuellement, on ne savait pas à quoi il ressemblait. Et l'imam Ahmad, il était connu pour beaucoup voyager, pour faire quoi? Pour authentifier le hadith. Il voyageait et il allait authentifier les récits prophétiques de notre prophète bien-aimé, alayhi salatu wassalam. Un jour, il a voyagé dans une contrée lointaine. Dans cette contrée, dans ce village, tout le monde connaissait l'imam Ahmad, mais personne ne connaissait son visage. L'imam Ahmad arrive et souhaite dormir dans la mosquée. Et comme dans beaucoup de mosquées, c'est pas possible de faire dormir n'importe qui à la mosquée. Alors essayez de venir dormir à Masjid al-Iman ou tu vas pas dormir à la mosquée. C'est normal, quelqu'un qui arrive, tu sais pas d'où, etc. C'est compliqué. Il a été mis en dehors de la mosquée par quelqu'un qui surveillait ce masjid. Et lorsqu'il a été jeté en dehors de la mosquée, il a fait la rencontre d'un boulanger. Retenez bien ce détail, il est important pour la suite. Il rencontre un boulanger et il explique sa situation au boulanger. Il lui dit « Moi, je suis étranger, je n'ai pas où dormir ». Et je viens de loin, et le boulanger, il connaissait l'imam Ahmed, bien sûr, mais il ne connaissait pas son visage. Mais il lui dit, oh toi l'étranger, pour l'amour d'Allah, je t'héberge. Déjà, Inch'Allah, ce n'est pas donné à n'importe qui. Tu rencontres quelqu'un dehors, de Goulou Ajifdar. Souvent, Goulou, je te donne un peu, va, trouve-toi un hôtel. Mais pour que tu l'accueilles au sein de ton foyer, là, c'est délicat. L'imam Ahmed, il va dormir chez ce boulanger. C'est quoi la suite? Il dort. Il se réveille pour faire des prières nocturnes et il prie Salat Subh avec le boulanger. Qu'est-ce qui se passe derrière cela? Le boulanger va pétrir son pain. Et il se dit, tiens, le boulanger m'a accueilli. Pour le remercier, je vais aller l'aider à faire son pain. Et donc il va, il prépare, il pétrit la pâte avec lui. Et pendant que le boulanger pétrit la pâte, l'imam Ahmed l'entend que le boulanger fait de l'istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah. Des paroles de dhikr. L'imam Ahmed, ça l'interpelle. Il va lui poser une question dont il connaît déjà la réponse, mais c'est pour vérifier. Il va lui dire, oh toi le boulanger, dis-moi, qu'est-ce qui a changé dans ta vie depuis que tu prononces Astaghfirullah, depuis que tu fais l'istighfar, depuis que tu fais du dhikr, qu'est-ce qui a changé? Le boulanger pose sa patte, il le regarde avec un sourire et lui dit, oh toi l'étranger, Wallahi, depuis que je fais le dhikr, depuis que je fais l'istighfar, ma vie, elle a complètement changé. Depuis que je fais l'istighfar, tout ce que j'ai demandé à Allah subhanahu wa ta'ala, il me l'a accordé, il me l'a exaucé. Je lui ai demandé de me marier, il m'a accordé une épouse belle et pieuse. Qu'Allah accorde aux célibataires de se marier. Je lui ai demandé un commerce, Allah il m'a donné cette boulangerie, walhamdulillah. Je lui ai demandé des enfants, Allah il m'a accordé une descendance pieuse. Je lui ai demandé des animaux, voilà les bestiaux dont Allah m'a couvert, avec le sourire. Puis d'un coup, le sourire disparaît de son visage. L'imam Ahmed le questionne, il lui dit, qu'est-ce que tu as? Il lui dit, oh toi l'étranger. Depuis que je fais le dhikr, depuis que je fais l'istighfar, Allah m'a tout donné, certes, sauf une chose. L'imam Ahmed lui dit, c'est quoi cette chose? Le boulanger lui répond, depuis des années, je fais l'istighfar et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de m'accorder un privilège. Ce privilège, c'est d'avoir l'honneur de rencontrer le grand savant qu'est l'imam Ahmed ibn Hanbal. Mais Allah m'a jamais fait le rencontrer. Allahu Akbar. L'imam Ahmed se met à pleurer, lui dit, je suis là, mon Seigneur m'a envoyé à toi. Voilà le pouvoir du dhikr, voilà le pouvoir de l'istighfar. Souvent on entend nos petits frères, nos enfants, ils nous disent, ah, j'aimerais bien être dans tel dessin animé, j'aimerais bien être dans tel film, etc. Les pouvoirs magiques, et je peux... Allah, en islam, on a mieux que ça. On a les invocations, on a Allah. C'est pas réservé aux prophètes. L'imam Ahmed, rahimahullah, certes, c'était un savant, mais c'était un homme comme vous et moi. Et les miracles, ils peuvent se produire.
Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde le dhikr. Et je sais que c'est compliqué parfois pour certains de démarrer. Al-aql, quand tu sors le matin, tu vas au travail. Quand tu sors le matin, ma sœur, tu vas à l'école. Quand tu sors le matin, tu rentres du travail, mon frère, tu déposes les enfants à l'école. Ça prend pas beaucoup de temps. Tu démarres un programme très court. C'est la seule chose que je veux que vous reteniez de ce prêche du vendredi. Que chacun prenne la ferme intention, s'il a déjà une habitude de dhikr, de l'accentuer. S'il n'a pas l'habitude de faire du dhikr, qu'il commence. Je ne vais pas vous noyer d'infos. Juste ça. Ala al-aql, tu sors de chez toi. Sur la route pour le travail, alhamdulillah. Allez, tu commences 5 fois à sidi. Allahu Akbar. La ilaha illallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Astaghfirullah. Des paroles légères sur la langue, mais qui pèsent lourd dans la balance et qui purifient ton cœur. 5 fois chacun, fois 5. 10 fois chacun, fois 5. 50 secondes, 1 minute, allez, si tu respires un petit peu plus que la normale. Qu'Allah nous l'accorde. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا اللهم فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق سبحانك ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا نتوب إليك وصلي اللهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله